Maurice Papon à l'affiche, demain au Monument de la Résistance de Toulouse. La cérémonie organisée par plusieurs associations sera symbolique. Il s'agira d'élire le préfet de France qui a le plus expulsé de sans-papiers en 2010 et de lui remettre le prix Papon. Maurice Papon, comme j'espère tout le monde le sait, est un préfet qui a, de l'État pétainiste qui a largement collaboré avec la politique nazie. C'est un préfet qui fonctionne dans les lois que nous on appelle des lois iniques, des lois d'exception. Et donc on pense qu'on est un peu à ce stade maintenant. Pour l'association qui parle de chasse à l'étranger, la politique menée par le gouvernement Sarkozy, mais pas que, est de plus en plus répressive. C'est une histoire européenne, car des centres de rétention, avec leurs barbelés, il y en a partout sur tout le territoire. Et l'Europe se transforme en forteresse. Et nous sommes pour la circulation des personnes. Rendez-vous est donné demain à l'Allée Frédéric Mistral à 18h30.